Photo, Barbara Palvin, les secrets de beauté de la top successful Barbara Palvin, le top hongrois devient l'égérie du parfum Bella de Nina Ricci et multiplie les contrats avec les marques. À 24 ans, celle qui arpente les podiums depuis l'âge de 12 ans nous ouvre son Vanity. Vous connaissez forcément le visage de Barbara Palvin, elle est l'un des mannequins les plus demandés au monde. Érigée au rang de star, elle multiplie les contrats et défile pour toutes les marques. Sa beauté innocente et sa fraîcheur s'accordent parfaitement à Bella, la nouvelle fragrance de Nina Ricci, troisième volet de la gamme Les Belles de Nina. De passage à Paris, elle nous dévoile quelques astuces beauté. Gala, qu'aimez-vous dans Bella, le parfum que vous incarnez? Barbara Palvin, quand Nina Ricci Parfum m'a proposé de devenir la troisième princesse des Belles de Nina, j'ai dit oui tout de suite. J'étais ravie de travailler avec cette marque et je suis tombée amoureuse du projet. Quand vous sentez Bella, c'est comme si vous mangiez une excellente pâtisserie française. J'aime sa composition sucrée carrément addictive composée de rhubarbe acidulé et de rose ultra fraîche. Gala, quels sont vos produits indispensables pour prendre soin de vous? Barbara Palvin, le mascara Mississippi de L'Oréal Paris, la crème Hydra Beauty de Chanel, le rouge d'Armani et le stick lèvres Neutrogena. Un routine facile, rapide et efficace. Gala, quelles sont vos astuces pour avoir une belle peau? Barbara Palvin, pour être en forme, se coucher tôt avant une journée de shooting et boire beaucoup d'eau. Et pour garder une belle peau, j'applique la recette de ma grand-mère, je m'asperge le visage d'eau glacée dès le réveil, top pour lisser les traits. Retrouvez l'intégralité de l'interview réalisée par Valentine Petri dans Gala 1312 en kiosque. Crédit photo, service de presse Nina Ricci. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Barbara Palvin.